Bon les amis, vous avez vu la présentation de mon studio. Aujourd'hui, c'est l'heure. Je vais enfin vous présenter mon local. Mais avant, il y a eu des petites modifs dans mon studio, donc je vais vous en parler vite fait. J'ai rajouté ça, des mousses acoustiques. Vous en battez sûrement les couilles, mais je vous les montre quand même parce qu'elles m'ont coûté cher. Donc j'ai envie de vous les montrer, j'en suis fier. Au moins le son, il résonne plus. Ah ! T'as vu, c'est étouffé. C'est fou. Ça marche trop bien. Quand je crie. Et il y a ça aussi, c'est pareil, c'est un petit truc pour le son les gars, c'est un petit îlot acoustique et j'aime bien, je trouve que ça donne un côté un peu cabane. C'est l'heure les amis, j'arrête de faire monter le suspense, je vais enfin vous présenter mon local, je vais vous parler d'un peu tout. Les gars, sachez qu'à l'époque où j'étais encore dans mon studio à Webedia, je me disais, putain plus tard j'aimerais trop avoir mes équipes dans un lieu, on est tous ensemble et tout, c'est mon endroit, je le décore comme je veux. Et bah là c'est le grand jour, c'est ce que j'ai fait. Gros, j'ai appris à te connaître alors que ça fait 5 ans qu'on bosse ensemble. C'est vrai, t'imagines la dinguerie? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bref, les amis, bienvenue au club. Let's go. Les gars, tu connais frérot, je suis toujours posé dans le club. Les gars, ça me suivra toujours, ça me suivra toujours. En vrai, le local, il avait pas de nom. Pour la vanne, je me suis dit le club, je trouve ça plutôt stylé. Et il y a une autre vanne qui est partie un petit peu loin, les gars, on va pas se mytho. C'est ça, l'étagère à crocs. Les gars, je vous explique. En gros, j'en ai marre que les gens viennent dans mon local avec des chaussures toutes crades, etc. Donc, j'ai fait une règle. Tu viens au club, tu poses tes chaussures et tu prends des crocs. Voilà, tout le monde a des crocs. J'ai des crocs. Elles sont où tes crocs? Frère, j'ai marché dans la merde. Comment ça? Mais je te jure, j'ai marché dans la merde. Avec tes crocs? Ouais. Mais t'es sorti avec tes crocs? Ouais. Non, mais attendez, les gars. Ouais, c'est une règle d'or là, vous avez oublié. On sort pas avec les crocs. Mais j'étais pressé, gros. Mais frérot, je veux rien savoir. Ça, c'est mon 100 euros à la fin du mois. Allez, hop. Quoi? C'est comme ça maintenant. Mais wesh. Voilà, frérot, c'est un singe. 49. Wesh. Voilà, si jamais il y a un géant qui vient dans mon local, il a des crocs, les gars. Mais hé, sachez que j'ai pris des crocs pour tous les gens qui travaillent au local. Et si jamais il y a des invités et tout, ils auront leurs crocs. Mais moi, les gars, je me suis pas pris n'importe quel crocs. Ça, c'est beau. Tu vois, ça, c'est de l'art. Ça, c'est les crocs du boss. Moi, je suis un artiste. Les amis, crocs un petit peu surélevés. Bon, avoue que t'as fait ça parce que t'es un peu petit. Regarde, ta gueule, toi, avec tes crocs roses. Moi, elles sont trop d'art, frère. Elles sont moches, flex de ouf. Frérot, mes crocs, elles t'éteignent. Je suis surélevé avec des petits pins comme ça, là. Bon, bref. On va pas parler éternellement des crocs. Sachez que c'est pas un partenariat. Mais si jamais crocs, vous voulez me sponsoriser, j'en ai déjà 1000 chez moi. N'hésitez pas, les gars. Envoyez un chèque, ça fait toujours plaisir. Du coup, voilà. Ici, c'est la petite partie un peu hall. Tu connais. Là, il y a la porte. T'arrives tranquillement. Tu t'installes. T'es au club. T'es bien. Ici, petit meuble un peu décoratif, un peu meuble d'accueil. Histoire que t'arrives pas direct en mode big open space. D'ailleurs, le néon, on en a pas parlé. Hein. C'est une dinguerie. Je le kiffe de fou, frérot. Le club avec l'emoji qui danse. C'est comme mon canal Insta. D'ailleurs, n'hésitez pas, rejoignez-moi les gars dans mon canal sur Insta, ça régale. Et au fait, n'hésitez pas à aller à Insta aussi. Les gars, j'ai un plan de fou pour vous. Vous savez que vous pouvez gagner une Mercedes GLC gratuitement. C'est vrai, c'est un vrai plan qui est tout de suite sur Instagram. Sur ma page Insta, les gars, il y a un concours. Top. En plus, on est en hiver, donc le scooter, ça devient relou. C'est mieux la voiture en hiver, mais je vais plus avoir de voiture. Let's go! Petit bar, j'en suis plutôt fier. Il est beau, non? Mec, il est sublime, frère, mais le prix, j'imagine pas, mais... Devine. 800 euros. Juste prix. Mon gars. Wesh, juste prix. 800 euros. Tu vois, je l'ai. Ouais, frère, t'as arrêté ça là. Ah, gros. T'es trop fort. Je suis un vrai daron maintenant. Ok, prix de mes crocs. 80 balles. Mais attends, je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. Mon gars. Attends. Non, mais frérot, c'est une dinguerie, je suis trop fort, frère. Attends. Ah, j'ai le seum. Ah, ouais, non, t'es. Ouais, non, en fait, t'es une merde. Vas-y, me check même plus, toi. Ah, ouais, t'es comme ça, toi. Moins 200 balles. Ah, ouais. À la fin du mois. Bon, avant de vous montrer l'endroit un peu taf, etc. Petite partie espace détente. En vrai, je trouve ça vraiment incroyable, les gars. Il y a un flipper. Les gars, j'ai découvert que le flipper, c'était un vrai game. Mais je vous jure, c'est monstrueux. Je suis addict au flipper. T'es là, tu tires ici, hop, ça renvoie la balle, etc. Mais pas du tout. Frérot, c'est un flipper Avenger. Tu peux faire des combats, genre Hulk contre Thanos. C'est incroyable. Mec, je joue au jeu. J'ai ma dose de dopamine quand je joue. Petit baby foot. Tu connais, histoire de... Voilà, on va dire, c'est le Michou professionnel qui va parler. C'est histoire de souder une équipe. Parce que là, lui, il est là, il est derrière son écran. Il travaille une miniature qui est déjà sortie. À quoi tu joues? Qu'est-ce qu'il fait, ce con? Du beau final. Mais elle est sortie, la miniature. Tu fais ça dans le travail, là. Ici, vous l'avez compris, c'est l'espace open space. Il y a le gros PC du bon vieux Wakeit qui est derrière la caméra. Mais pourquoi ton PC est tout le temps éteint? Je sais pas, tu sais que vraiment, je sais pas. Topacha, renvoyez un PC. Topacha, d'ailleurs Topacha, wesh,
Parlons-en, c'est une dinguerie. Regardez, ils sont là, j'ai acheté des PC top achat. 4 PC énormes, j'en ai eu pour 20 000 €. Top achat, ils ont vu que c'était une commande au nom de Miguel. Enfin non, ils ont vu le mail, ils ont vu le mail Michou. Ils ont dit, oh, on va faire des TikTok. Ils ont fait TikTok, tweet, Insta, tout. De partout, on dirait que j'ai fait un partenariat avec Top Achat, alors que pas du tout les gars. J'ai juste payé 20 000 € comme un bon Yonkli. Les amis, laissez-moi vous présenter Tim. Enchanté. J'ai un surnom pour Tim, c'est Tim Hid. Ça marche ou pas? Pas drôle? Franchement, c'est plus la merde. Tim, presque nouveau dans l'équipe. Tim, en alternance ici, ça régale en vrai. Non mais voilà, en vrai les amis, laissez-moi vous présenter Tim, nouveau dans l'équipe. Et ça régale, c'est un monstre. Tim, qu'est-ce que t'as monté récemment? Comme ça, les gens, ils s'imaginent. Avec Bogdan, on a monté plein de trucs depuis un an. Hein. Mais... En vrai, t'es sur quasiment toutes les vidéos qui sortent. Ouais. Voilà. En vrai, il m'assiste, ouais, sur toutes les vidéos. Voilà. Ouais. C'est ton assistant. Mon assistant, ouais. Ah ouais, ok. Il y a une petite hiérarchie là qui est en train de se créer. Légère. Bon, là, c'est mon petit... c'est ma petite partie à moi. Les gars, tu connais. Des fois, au lieu d'être dans mon studio, je me mets là, comme ça, je suis bien avec tout le monde. Et là, on a un giga beau gosse, un mec qu'on ne présente plus. Meganini est dans la place. Mais les gars, mes présentations sont foireuses de fou. Attends, viens, on fait une brève présentation. Bah, vas-y, parle de moi alors. Les amis, laissez-moi vous présenter Meganini. Ça fait 3 piges qu'on bosse ensemble, je crois. Si ouais. Je dis pas de conneries. Je pense que vous l'avez compris. Minia Maker, graphiste aujourd'hui sur un peu toutes les vidéos. Il fait les miniatures, les assets, etc. Tout ce que vous voyez qui est un peu graphique. Je suis trop heureux qu'on travaille ensemble. Merci beaucoup. Alors que Wiki, tu peux la mériter. Ah, vraiment. Fils d'être. Après, bon, les gars, on a encore un petit peu de matos à installer. Vous voyez ici, il peut y avoir quelqu'un d'autre. Mais attends, mais c'est vrai, vous savez quoi les gars? C'est un appel à candidature. Je cherche un chargé de prod. Quelqu'un qui va un peu pouvoir m'assister et genre me suivre sur les tournages. De temps en temps, j'en sais rien, me filmer si je suis en train de faire un rendez-vous important pour, par exemple, je donne un exemple comme ça qui m'est arrivé aujourd'hui. Vous savez, au Sub Gold des 9 700 000 abonnés, j'ouvre mon restaurant. J'ai fait un rendez-vous aujourd'hui pour ce restaurant parce qu'il faut avancer les gars pour que 9 700 000 abonnés y ait mon restaurant. Mais voilà, il vient en rendez-vous avec moi, il est là, il peut un peu me filmer. On prépare les grosses vidéos ensemble. Si jamais un chargé de production de fou voit cette vidéo et il cherche du travail, les amis, on peut bosser ensemble. Envoyez votre candidature à ce mail là. Après les gars, il y a aussi, je vais vous les présenter quand même s'ils sont pas là. Il y a Violette aujourd'hui qui a rejoint la Michou Corp, qui travaille avec moi les gars, qui m'aide dans la créa des vidéos, par exemple à l'écrit des vidéos des fois quand je dois pas être au courant de ce qui va se passer. Après il y a Sergen qui est pas là. Je vous connaissais peut-être ce nom Sergen parce qu'il revient des fois dans les vidéos. Sergen c'est pareil, c'est bête de monteur, il monte beaucoup la chaîne secondaire, il monte par exemple la vidéo Halloween qui est sortie sur la chaîne principale. Enfin voilà, Sergen c'est un crack aussi. Après bon les gars, il y a d'autres gens mais qui sont pas régulièrement au local. Là je vous ai dit vraiment ceux qui viennent, qui s'installent au local. Bah justement, Sergen, son poste de travail, il est juste là frérot. C'est le seul qui veut un Mac. Donc petit Mac mini. En vrai ça a l'air d'être un banger. Pourquoi il a mis Mickey sur le Mac? Qui a mis Mickey sur le Mac? C'est moi. Voilà, je le dis maintenant. Il a craqué. Il était obligé de faire son âme. Bref, je crois que Sergen est fan de Mickey, on ne sait jamais. Il est pas encore venu au local. Sergen, on t'attend au local. Comment ça, tu viens pas? Frérot, tu me fais acheter un Mac mini? Tu viens pas? Attends, il y a un truc qu'on a oublié d'en parler alors que c'est une dinguerie. S'il te plaît, présente-nous la chaîne. On passe nos vies sur les ordi, toute la journée assis, il nous faut quelque chose de fou. Non, ça c'est vrai. Réel ou pas? Même toi, t'as vu, tu l'as pris aussi, t'as craqué. Ouais, réel. Non, c'est des chaises de zinzin, ergonomiques. Moi, je suis amoureux de ces chaises. Non, mais les gars, en vrai de vrai, les chaises sont incroyables. Ça veut dire, moi, je m'assois dans cette chaise, je suis pas confort parce qu'elle est réglée pour lui et comme il est plus grand que moi, c'est plus grand, plus lourd, et alors que toi t'es plus petit, plus léger, et du coup c'est vraiment rien à voir. Et même en termes de c'est trop bien. Putain, la manière dont t'as dit je suis plus petit, plus léger, on dirait que je suis une merde quoi. C'est un peu une merde. Ouais, c'est une dinguerie de dire ça à son patron. Je suis toujours pas respecté les gars, mais vas-y hein. Ça les gars, c'est pas n'importe quoi les gars. Mais d'ailleurs hésitez pas, je viens de vous la spoiler si vous l'avez pas vu, mais allez voir la vidéo de Domingo sur l'échappée, elle est incroyable. Pour moi c'est top 3 des vidéos de 2023. Ensuite, on est encore dans le taf, espace un peu table à manger et tout, mais surtout espace réunion. Les amis, quand il y a des petites réunions, j'en sais rien, il y a une grosse vidéo à préparer, vous trouvez une idée de vidéo, Wake It en même temps, frérot toi au montage, je pense qu'il faut que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça. Je trouve ça incroyable. Ici, tu connais, il en voit un quand même, canapé, espace détente, il y a une petite télé. Il y a la Play, il y a la Switch. Je vous ai dit, en fait, c'est un peu un local de branleur en vrai. Hein. Ici, vous avez peut-être remarqué, les gars, j'ai remis des petites touches de mon ancien studio. Voilà, j'aime bien, les gars. Au lieu de jeter le meuble ou le stocker quelque part et ne pas savoir quoi en faire, je l'ai récupéré, je l'ai mis ici. Je trouve qu'il va bien. Et
Là, je vais rentrer dans une partie un peu technique, mais dont je suis très très fier, les gars. C'est que, regardez, vous voyez par exemple là au plafond, il y a des petites accroches d'attaché. À quoi ça me sert, les amis? C'est tout simplement que tout cet espace là que vous voyez, l'espace canapé, l'espace réunion, la télé et tout, c'est un espace 100% modulable. Le meuble, il est sur roulette comme ça, il est facile à bouger, facile à transporter. Et en fait, moi, pour mes vidéos, genre par exemple un jeu de la confiance, la vidéo qui est le meilleur inventeur, c'est des vidéos que maintenant je vais pouvoir tourner dans mon local. Genre par exemple, jeu de la confiance, ici avec les attaches, je mets un grand rideau noir. À la caméra, ça fait comme si c'était un fond noir. Je mets des petites lights et tout. Tout ça, je l'enlève, je le décale quelque part. La table, je l'enlève. Je mets une table ici. On est en face à face avec mon invité. On tourne un jeu de la confiance. Bref, je trouve ça trop cool. Les gars, c'est une partie un peu technique. Mais pour moi, c'est un bonheur de me dire, ok, maintenant dans mon local, je vais pouvoir tourner des concepts de vidéos, etc. J'ai plus besoin de m'embêter et de me dire, ah, attends, faut trouver un lieu de tournage, etc., etc. Non. Et pareil, encore plus technique. Vous voyez que ici, c'est un bordel pas possible. Tout simplement parce que je vais installer une régie. Du coup, tout ce que je vous ai dit pour les vidéos, et ben je vais pouvoir aussi le faire en live. Il y aura juste besoin de quelqu'un qui se met derrière un PC. Il a les deux écrans, le Stream Deck, et il pourra changer les angles de caméra en live, etc. Genre vraiment comme les gros lives que vous pouvez voir, des live podcasts, des lives un peu émissions, quiz, etc. Genre je pourrais vraiment faire des gros lives ici dans mon local. Donc c'est encore une fois, c'est trop bien. Tu vois ça? Il y a une porte derrière le meuble. Et je vous montre pas ce qu'il y a derrière la porte, parce que ça c'est un concept de Squeezie. Donc je peux pas le faire. Désolé les gars, j'aurais bien aimé vous montrer, mais après on va me dire plagiat. Petite cuisine. Je pense que tout le monde s'en branle parce que personne cuisine ici. Mais on peut cuisiner. On a plaque de cuisson électrique, on a tout. Mais vous faites quoi les gars? Non, on a... Non, vous voulez voir ce qu'il y avait parce que on commence à avoir faim là. Ouais, les affamés. Bref, et du coup les amis, il y a un point que j'ai jamais dit officiellement. Vous voyez que il y a cet homme, cet ancien breton. Il est là, il est dans mon local, il est dans le club. Pourquoi? Dans le club. Parce que les gars, il a son studio dans le club. Tu vas pas le monter? Parce que j'ai sorti une vidéo. Voilà, exactement. Si vous voulez voir mon studio, si jamais vous voulez voir le studio Timoot, c'est sur sa chaîne que ça se passe. Mais du coup les gars, juste ici, il y a mon studio. Juste ici, il y a le studio Timoot. Et c'est un bonheur. Sachez que c'est trop d'art parce qu'en vrai, il y a toute mon équipe qui travaille ici. Timoot, c'est mon... Bah frérot, c'est la famille frère. On a vraiment grandi ensemble. J'avais 8 piges, j'allais au salon de l'auto avec lui. Là, on est là, on a notre studio côte à côte. Et c'est un bonheur frère. Ouais, moi je vais stream. Parce que moi, moi je travaille hein. Et je fais quoi là? Ah ouais, je travaille. Et oh mais wesh, on a oublié une dinguerie. Les amis, je pense que vous l'avez compris, on les a pas présentés. Les chiottes frérot. Oh tes crocs de merde. Voilà, voilà, non mais j'ai vraiment marché dans la merde hein. Y'a zéro mal. Oh c'est trop grave. Mais ça pue de baiser, ça pue de baiser gros. Non là, là je vais t'insulter là. Ramasse ta chips de merde. Non, ramasse ta chips. Ramasse. Vas-y j'en peux. T'es le youtubeur à 10 millions hein. C'est trop grave. Y'en a qu'un qui fait le ménage dans ce putain de club ici, c'est moi. Non, ça, non, là, c'est une blague. Wesh, qui a fait ça? Bref, bon, les gars, du coup, vous voyez, il y a deux portes. Parce que, ici, nous avons un toilette handicapé. Si jamais tu vas aux toilettes, et bah, y a un petit flamand. Ça régale, non? Franchement, il est magnifique. Mais il te regarde poser ta flèche. Moi, ça me perturbe quand je suis aux toilettes. Et que je suis comme ça, qu'il y a un putain de flamand. Je trouve ça vraiment bizarre, genre. Bon, et il y a une deuxième porte qu'on va... On va peut-être pas la présenter, les gars. Parce que, bon, celle-là... Oh, oh non, oh non. Je suis très à l'aise pour faire caca. Oh. Je t'ai bien serré. Ah non mais là. Tu peux pas se dilater là. Donc moi j'ai un gros cul hein. Oh oui justement. Ah ça me dégoûte. Eh vas-y tes crocs de brun là, j'en peux plus. Mais crocs de quoi? De brun. De brun? De merde quoi. Mais qui dit des crocs de brun? Qui dit brun? C'est l'expression, j'ai déjà entendu mais je le dis pas en personne. Wesh mais vous êtes tous contre moi ou quoi? Crocs de brun. Tu dis ou pas crocs de brun? C'est des crocs de brun, ça veut dire quoi? Bah, c'est du brun, ça veut dire c'est de la merde quoi. Bah voilà. Non mais personne dit ça. Le chat. Personne attends, dit ça. Attends, t'as un stream là. Le chat, si je vous dis oh la coupe de brun. Qu'est-ce qu'il y a, moi je me fais des non, non calme. C'est de la merde. Rien. Bah voilà. 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 C'est de la merde. Oui. Ça veut rien dire MDR. Allez, voilà. Banne-le. Allez, hop. Je te le banne personnellement. Là, ici, là. Voilà. 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 Personnellement. Voilà. Coupe de merde. Bon. Voilà. Ah, tu vois, tu connais l'expression. C'est bon, j'ai compris là. Ah, c'est bon. J'ai appris. Et du coup, on a présenté son studio. Ah merde. Et voilà, hein, je pense qu'on a tout dit en vrai, non? Le singe. Ah, le singe. C'est vrai. Il y a un truc à dire. Oui. Les amis. Quand t'arrives, vous voyez ce petit singe? Bon, il était là dans mon ancien studio et tout. Je l'ai pas mis ici pour rien. Je l'ai mis ici parce que quand tu te mets là, t'as un beau plan sur son cul. Ça, c'est... Il est un peu caché. Mais le problème, c'est qu'avant, moi j'étais là. Quand quelqu'un arrivait, hop, je tournais la tête, je voyais le cul du singe. Mais maintenant, il y a des putains d'écrans. Putain. Fais chier, quoi. En vidéo YouTube, c'est bizarre, non? Je précise, c'est une vanne. Ouais, c'est bizarre, mais tu justifies beaucoup, quand même.
Donc voilà, les amis, je vous ai présenté mon local. Sachez que c'est un bonheur d'être ici, je suis trop content. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous kiffez l'ambiance. Et voilà, peut-être que si ça se trouve, même il y en a qui auront des idées. En mode, ouais Mich, peut-être que ici tu peux accrocher ça, ici tu peux faire ça, etc. Ça peut être trop cool. Donc voilà, les amis, plein de bisous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous la mif, vous êtes les meilleurs. Ciao tout le monde.